Petit tour de magie, donc je vais changer ma tête. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Tata! Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Hein. Donc voilà ma nouvelle tête, hein. La tête post-Covid. Donc même si, est-ce cool. Est-ce qu'on est en post-Covid? Je ne sais pas. Donc voilà, bienvenue donc avec mon look. Voilà, je ne suis pas sûr pour la barbe, donc je changerai encore peut-être de look. Mais disons que là, voilà, on est lancé donc coupe estivale, coupe post-confinement. En tout cas, post-confinement sûr. Post-Covid, à voir. Hein, ça, c'est toujours pareil. Donc quel meilleur endroit de parler de cette gestion de merde donc que le trône, évidemment. Donc on continue, hein, même si on commence à en voir le bout, mais donc notre président doit nous annoncer ce soir. Hein, donc on est dimanche 14 juin. Donc notre président va nous faire un petit discours ce soir. Donc alors le sujet peut-être démission. Et oui, est-ce qu'il annoncerait sa démission? Parce qu'il est tellement persuadé qu'il sera réélu s'il se fait démissionner aujourd'hui. Donc il y aurait 35 jours pour se faire réélire. Et comme effectivement l'opposition ne serait pas prête, il se jouerait encore sur de la com de je démissionne, mais je sais que vous allez tous revoter pour moi parce que voilà. Donc, il veut donner une légitimité en démissionnant. Donc, ça, attention, c'est qu'une hypothèse. Hein, c'est le Figaro, je ne sais plus quel journal qui a lancé ça. Donc, voilà, ça, c'était en introduction. Donc, ce soir, discours du président pour la phase 3 du déconfinement. Hein, parce que là, on est en phase 3 du déconfinement. Donc, voilà. Donc, cette vidéo, je ne ferai pas les chiffres aujourd'hui. Enfin, tout de suite, dans cette vidéo, en tout cas. Cette vidéo n'est là que pour comme c'est indiqué, le mode d'emploi. En fait, vu qu'on arrive bientôt à la fin du confinement, du Covid, on va rentrer en phase de post-Covid. Donc, moi, je voulais en fait plus de clarté sur la chaîne, puisqu'effectivement, beaucoup se sont plaints. Oui, il y a des erreurs de. Alors, attendez, parce que là, on sait pas parfait. Là, chaque fois, je me fais avoir. On va remettre notre cher ami. Là, le danseur, quand même, hein, c'est obligatoire. Hein, donc voilà. Donc il m'a accompagné toute cette saison. Enfin, ils m'ont accompagné toute cette phase de Covid. Donc autant continuer à les utiliser. Nouvelle coupe, oui, mais la chaîne va rester la même pour l'instant. Donc voilà, on en est à effectivement donc essayer d'être clair pour revisualiser ça plus tard. C'est ça le plus important. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Comme était dans le titre là de mon générique. Qu'est-ce qu'on retiendra et qui assumera? Donc voilà, donc on est sur cette vidéo qui consiste en fait à faire un mode d'emploi pour tout ça. Voilà, vous voyez toutes mes vidéos qui sont là. Donc celle-là, c'est celle qu'on est en train de faire maintenant. Hein, donc vous avez donc l'étendue des vidéos qui sont là pour l'instant, à date. Hein, donc j'en ai fait moins rapidement, hein, un cycle un peu moins soutenu vers la fin. Parce que là, j'en ai fait une dernière fois, elle datait du deuxième phase de confinement, à savoir le 31 mai. Donc voilà. Donc, vous pouvez voir sur chacune des vidéos, je vous ai mis le minutage, enfin le minutage, le temps qu'elle prend. Alors c'est vrai, comme vous avez celle-là, 1 minute 20, l'autre à 14 minutes, etc. Celle-là, je vais essayer de vous l'expédier en moins d'un quart d'heure. C'est le pari que je vais faire. Même si, voilà, ce que je vais faire, c'est que maintenant, vous voyez, des vidéos quand même qui font 1h28. Je crois que la plus grosse, c'est celle-là. Elle doit faire 1h30. Voilà, effectivement. Parce que comme je disais sur la vidéo, en fait, ce qui me rallonge les vidéos, c'est tous les segments et les illustrations en direct de ce qui me fait dire les choses. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça prend des grosses rallonges. Mais, alors, dernièrement, donc, ce que j'ai fait, donc, si on rebascule sur... voilà, je vous présente mon petit site web qui me permet effectivement de mieux classer les vidéos sur le trône pour l'instant. Bienvenue chez moi, vous voyez, j'ai mis une jolie photo de moi, un dessin que j'ai dessiné quand j'avais 17 ans, comme ça, j'avais une passion pour le dessin, donc je m'amusais à me faire. Là, je me suis fait mon autoportrait, je jouais au volleyball, capitaine d'équipe de volley à l'époque. Hein. Donc j'avais ce look-là, donc à peu près, j'avais cette tête-là, et encore, j'ai pas dessiné mes autres potes, donc qui faisaient partie de mon équipe. Donc là, bref, si je les avais dessinés, mais là j'ai pris que moi hein, pour le logo. Donc voilà, donc bienvenue chez moi. Donc c'est ça, vous voyez, on est le 14 juin, hein, comme vous pouvez voir. Alors, la dernière vidéo en date, c'est celle-ci, donc la phase 2 du déconfinement qui datait du 31 mai. Et ce que vous pouvez voir maintenant, enfin maintenant, j'ai essayé de faire maintenant mes dernières vidéos avec des thèmes, avec des minutages et des tronçons que vous pouvez retrouver ici, vous voyez.
Donc ça, en fait, c'est les liens directs qui vous amènent à la chaîne YouTube, à l'endroit précis où j'en parle, donc dans les index. Vous voyez les chiffres, si on clique sur les chiffres et que je vais directement là-dessus, voilà, donc là, vous allez arriver sur là, la partie des chiffres. Voilà, comme d'habitude, hein, traditionnellement, j'ouvre toujours mes vidéos avec les chiffres. Donc ce sera les chiffres et vous pouvez, je mettrai les liens pour les index. Donc les chiffres, etc., par thème, Exactement. donc en fonction du timing de la vidéo, vous pourrez zapper les trucs qui vous, enfin, vous ont rien à faire, quoi. Voilà. Donc, c'est important, c'est que j'ai commencé à faire cette phase de découpage par thème. Mais toutes mes vidéos, là, ne sont pas faites comme ça. Donc, je me les suis toutes retapées, mais alors toutes retapées, pour effectivement les découper de façon plus. Ben, regardez, en fait. Donc vous avez, donc celle-là, c'est celle qu'on vient de voir. Et en fait, si vous allez, alors la première des vidéos que j'ai donc effectivement commentée, minutée, c'est celle-ci. Voilà. Donc vous avez maintenant, quand j'ai pas de thème et que en fait c'est un long monologue, parce que je fais toujours mes vidéos en one shot, toujours, juste avec le montage, avec ma souris, pour afficher ce que je veux vous montrer et ce dont je vais vous parler. Donc là, effectivement, vous avez donc là le lien directement vers la vidéo et donc, vous avez ici le minutage de la vidéo, par idée ou par thème, non, parce que je n'ai pas englobé ça par thème, puisque c'était en one shot. Là, à l'époque, je parlais vraiment en one shot, donc c'est plutôt les idées ou les arguments dont je parlais. Effectivement, on a en fait, bah, si vous voulez aller voir les chiffres, donc par exemple du 11 avril 2020, vous cliquez directement sur les chiffres, voilà, et vous allez tomber sur ça. Donc. Mais là, évidemment, j'avais pas mis Donc, pour index. ce jour, en fait, toujours sur le même thème, hein, donc Covid, hein, je pense que tout le monde est au courant, Voilà. même si aujourd'hui on parle de plus en plus de déconfinement. Donc voilà. Mais bon, faisons donc un état des lieux Voilà de l'état des notre lieux. chère utilisation aujourd'hui. Alors, c'est vrai que là, parce que je suis parti, j'ai 2 jours ou 3 jours de retard par rapport à ce que je voulais faire. Donc, bah, on y va, hein, je vous montre. Donc Donc, voilà, hop, hop, c'est voilà. l'idée. Là, qu'à l'époque, je faisais les chiffres comme ça. Donc, je vous dis, vous voyez, l'interface était moche, tout ça. Enfin, moche, je la construisais, je la faisais au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, dorénavant, vous avez ce minutage sur toutes les vidéos. Mais alors, toutes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai juste copié sur le site l'index que j'ai directement sur YouTube. Là, si vous cliquez là-dessus, vous voyez, là, je suis allé sur le déconfinement allemand. Hein. Voilà. Alors, on en est à ça, par Voilà, le contre, déconfinement allemand. ça, c'est du dossier. Ça, on est vraiment dans En un fait, quand vous dossier. allez sur YouTube et vous Nos amis cliquez sur le allemands. plus, vous Alors, qui retrouvez le était minutage ici. tellement Vous cité, voyez? tellement C'est être en important. référence avec tout le monde. Alors, vous voyez là, tout ça, c'est ce que vous avez sur le site que j'ai là. Voilà, j'ai juste fait un copier-coller. Donc, mais ce qu'il y a, en fait, vous voyez, comme vous pouvez voir au-dessus, là, tous les sites, là, c'est votre chaîne YouTube. Même si vous n'êtes pas abonné à YouTube, vous aurez plein de suggestions, d'autres vidéos. Donc forcément, peut-être orienté pour certaines, je ne sais pas. Donc voilà. Et vous avez effectivement des vidéos qui apparaissent ici qui dépendent de votre propre compte YouTube. Donc, c'est pour ça que j'étais revenu à cette présentation-là. C'est que je vais donc, à la base, mon outil de travail sera YouTube. Et ça, c'est juste un repérage, un sommaire pour voir les vidéos qui vous intéressent en date et en heure. Donc, et effectivement, qui seront épluchées par thème. Vous voyez, là. Le côté, ben voilà, nos acquis sociaux détruits, etc. Le 17 avril, hein, alors que la loi a été votée le 25, j'avais fait la vidéo le 17, mais et voilà, vous avez effectivement les liens directement ici, donc en tout cas du minutage. Après, je n'ai pas recopié ces liens-là, donc vous faites comme ça avec un clic droit, alors qu'il ne s'affiche pas sur votre écran, et vous faites accéder à cette URL-là, et vous tomberez directement sur la source d'où je suis allé chercher. À l'époque, donc les chiffres. Tiens, bah, les chiffres. Bon, comme je suis tombé dessus, hein, on va faire par décès, hein, toujours. Donc la France n'est pas bien loin. Donc on est à 29 389. Bon, ouais, voilà. Donc ça, c'était une des sources que j'ai essayé d'afficher directement du site. Et c'est les mêmes sources que vous retrouverez effectivement ici. Là, par contre, les liens sur le YouTube fonctionnent. Donc si on retourne ici et que vous cliquez, vous allez arriver sur le thème, le fameux document que je vous ai montré dessus. Donc, vous avez cette possibilité-là, donc de pouvoir vous naviguer dans toutes les vidéos maintenant avec minutage. Minutage. Et par thème, segmentation par thème.
Donc ça pour moi c'est très très utile, même pour revoir effectivement les choses qui m'intéressent hein, et qui vous intéresseraient potentiellement aussi. Hein. Donc si on revient sur la dernière vidéo, celle du 1er mai que j'avais faite qui était en fait sans que je le sache, qui était complètement censurée. Je ne savais pas, mais apparemment elle était censurée. Mais voyez, en fait, voilà, quand vous verrez dans mes index, dans le minutage, entre guillemets, des titres, c'est que vous avez ça en fait. Voilà, concrètement, David. vous avez donc, vous arrivez sur D'habitude, abonnez-vous les en cliquant sur musiques le en fait. bouton Les et la musiques petite de cloche pour générique la quand j'en dernière mets, ils vidéo et seront le petit tous pouce entre bleu guillemets. si vous appréciez. Voilà, donc Profitez. celui-là par exemple, au 1er mai, j'avais mis ça. Des patients qui attendent, des patients qui attendent. Ohé, ohé! Ohé, Voilà, on des était là. patients qui attendent, des patients Donc, qui attendent. vous pouvez éplucher comme ça Ohé, une sorte ohé. d'encyclopédie. Des patients qui attendent, des Et patients qui là, attendent. vous avez. Ohé, ohé. Des patients qui attendent, des Vous avez patients. effectivement les vidéos, les clips, etc., qui étaient marrants parce que je me suis amusé quand même à trouver des trucs en fonction des thèmes et c'était assez sympathique de voir comment ça se passait en temps et en heure et de sortir ben, allez, un petit dernier pour la route là, celui-là évidemment, ça je vais vous le laisser hein, parce que voilà. Comme d'habitude, Bon, ça, les n'oubliez pas de introductions, là, vous j'essaie de les abonner, changer au de fur et à cliquer mesure. sur la petite Hein, cloche pour c'est avoir les marrant dernières de voir vidéos. Et si vous l'évolution avez comme aimé, ça, le petit technique. pouce bleu, profitez. Donc, là, vous vous rappelez de ça? Moi, Voilà. je le porterai dans la durée. Je le porterai C'était sympathique, ça. jusqu'au bout. Donc, vous avez aussi ça, vous Et pouvez aller maintenant, directement sur les clips. C'est votre marrant. responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter Oui, ça c'est juste pour ce sommaire-là que je mets ça. C'est mon copain dans ça pour ça du tout. Et là, je me suis fait plaisir. Les amis se sont proposés d'animer la chaîne avec moi. On va dire ça comme ça. Regarde la tête de la jeune fille là. Et là, la nénette à gauche. Ah là 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 là. Bref, donc voilà, vous avez effectivement, oui, vous voyez, depuis 2012, par exemple, vous avez, il faut savoir que, effectivement, notre cher Macron est à l'Élysée depuis 2012, hein, sous Sarkozy, il a commencé, au tout début de Sarkozy, hein. Donc quand on me dit non, mais il est là pas depuis longtemps, bah, 2012, ça fait 8 ans qu'on entend parler indirectement de Macron. Donc voilà, et dernier petit exemple, vous avez, par exemple, si je reviens sur la dernière vidéo, alors, hop, si je clique ici, alors, tout ce que je vous montre là, vous allez directement sur la chaîne YouTube, et vous allez dans les descriptifs, vous l'avez là, hein, c'est ça c'est juste pour avoir une meilleure clarté sur la chaîne sans passer par toutes les pubs. Donc, vous voyez là, on arrive directement sur mon 18. clip. Alors, c'est pas ça. Alors là, je vous montre ce qui est important. Alors, la demoiselle avec nous là, donc voilà. Donc vous pouvez voir la vidéo même en gros plan quand vous êtes sur votre smartphone ou que vous êtes sur un outil qui n'utilise pas forcément, enfin qui est plus optimisé. Vous avez donc les segments avec les titres. Le minutage indique le segment et après dans le segment, vous pouvez avoir des mini segments supplémentaires pour évoluer. Vous voyez, Raoult, ça prend tout ça. Bigard, ça prend tout ça, etc., etc. Donc là, en plus d'avoir le minutage, c'est quand vous êtes en gros plan, vous pouvez directement aller sur le segment qui vous intéresse là-dessus, en allant avec votre souris ou votre doigt quand vous êtes sur votre smartphone ou votre tablette. Donc ça peut être intéressant pour vous d'avoir ce genre de cas de figure. Ça, c'est vraiment On pour clique. pour C'est qu'on ça, voilà. puisse Exactement. J'adore revoir cette ça comme vidéo. on veut. Ça. Ouais, ça, j'avoue que Le cacao, le faux-fonds, le cacao est cassé. Ah, là, c'est leur dernière, quoi. Dernière, ils ont mis Ouais. C'est magnifique. Eh ben, faut me mettre à côté de la photo demain, la prochaine version. C'est marrant, là. T'as vu? Exactement. Ouais. Dans deux jours, là, c'est... Je mets du désespoir et
gens te regardent de travers. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. C'est de se mettre de la misère. C'est le lapin de la RATP. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc ça c'était le lapin de la RATP, hein, voilà, c'était juste voilà, pour montrer un petit peu. Voilà, mode d'emploi c'est ça, c'est que toutes les vidéos, vous avez la longueur des vidéos qui elles sont là, mais elles sont toutes minutées, ou par idée, ou par thème, ou par argument. Voilà. Et alors, il y a que celle-là, ah, mince, les trois premières que j'ai pas faites là. Alors, je vais peut-être faire celle de où je parlais la première fois. Là, j'ai celle-ci, je crois que je n'ai pas minuté. Ou je crois que ça y est, elle est déjà minutée, je ne sais plus. Donc celle-ci, peut-être qu'il fait un 15 minutes. Je vous dis, au bout de 15 minutes, en one-shot, sans argument, ça ne vaut pas le coup de minuter. Mais après, s'il faut, je la minuterai. Mettez dans les commentaires si j'ai besoin que je minute les trois premières. Ça, surtout, c'est à 1h20, 1 minute 20, je ne suis pas sûr. Mais bon, si vous voulez, je peux le faire. Voilà. Donc voilà, on est sur du mode d'emploi. Sur le trône, donc à la date du 14 juin, attendez, qu'est-ce que je vous dis? Oui, c'est ça, 14 juin 2020, d'accord? Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos minutées, argumentées, enfin minutées par argument ou minutées par thème. Et les prochaines que j'essaierai de les faire par thème, voilà, directement. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Là, j'ai pris 18 minutes. Je vais les 6 minuter cette vidéo. J'ai essayé dans les thèmes. Et donc voilà, alors oui, je voulais préciser que celle-là m'avait valu une censure YouTube, enfin un droit d'auteur. Donc ce qui m'avait bloqué, celle du premier mail, le premier récap que j'avais fait de ma chaîne, la chaîne sur le trône. Donc voilà, donc là, elle est revisible à nouveau. J'ai dû couper, j'ai mis le lien. Pareil pour TF1, il m'avait coupé je ne sais plus quelle vidéo, je crois que c'est celle-là. Donc j'ai dû en fait mettre en lien supplémentaire qui pointe vers autre chose que YouTube pour visualiser le tronçon qu'on a dû me forcer à couper. Voilà, donc c'est... on en est là. Donc voilà. Donc je vais continuer à faire mes vidéos, vous voyez, nouveau look, machin, post-confinement. C'est le look post-confinement. Donc je ne suis pas sûr pour la barbe, je verrai. Donc si ça vous amuse de me dire si c'est mieux avec ou sans barbe. Bref, voilà. Donc c'est la séquence tutoriel, tu te fais belle. Il y en a plein des tutos qui tournent sur Internet, qui font des millions de vues, c'est hallucinant. Donc voilà. Mais bref, donc là je ne suis pas là pour faire des millions de vues, je suis là juste pour me remémorer tout ça. Tout ça, donc... tout ça qui fait que, comme je le disais dans le générique, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'on va avoir dans les bouquins d'histoire, comme on dit, hein, là, les bouquins d'histoire, la Fernand Nathan, tout ça. Bref, moi, il y a juste une chose qui me dérange dans tout ça, même si on arrive en post-Covid, déjà en post-confinement, c'est sûr, puisqu'on est à la phase 3, hein, phase 3. Mais au final, il y a une chose que j'oublierai pas de sitôt et que je retiendrai jusqu'à ma mort, je pense, c'est cette gestion, effectivement. Et mon petit clip de fin, que je vais aussi minuter, du coup, que je vous mettrai en index, et résume très bien l'état d'esprit dans lequel a pu être gérée cette crise par notre chef de guerre, tout ça. Alors, s'il nous fait le coup de la démission, franchement, comme disait le truc, ça me frappe. La rigueur, il gagnerait des respects. Mais pas dans ce contexte-là, c'est pour faire genre, je me fais réélire et vous avez vu, fermez vos gueules, quoi. J'ai un peu peur de ça. Donc, je vous laisse, parce que la vidéo fait déjà 20 minutes. Je la minuterai aussi celle-ci. Donc, n'oubliez pas, mode d'emploi, tout est minuté. On peut se le retaper en mode catalogue si on a besoin de se rappeler de certains trucs. D'accord? Donc, voilà. Moi, je m'en servirai comme ça. Ce sera ma source d'argumentaire. Pendant, ce sera mon Fernand Nathan à moi, voilà. Et donc, je vous dis à très vite, peut-être à aujourd'hui même, parce que comme notre président va faire une vidéo, enfin il va nous faire donc un descriptif vu de son perchoir du déconfinement phase 3.
Ce serait intéressant donc de refaire une vidéo derrière. Donc, je vous rappelle juste le cadre en ce moment pour la conclusion. On a eu le Black Lives Matter, on a eu Castaner qui engueule ses flics parce qu'ils font des clés de bras, machin. Il faut pas être raciste. On en est au point où ils veulent même enlever Chase de la patte patrouille parce que le flic, le bon flic, ça n'existe pas, il faut le censurer. On ne doit plus faire de vidéos de flics, on ne doit plus faire de... Les Américains sont arrivés jusque-là. Enfin, je vais faire... le thème de la prochaine vidéo, ce sera ça, hein. Je suis en train de vous faire une petite bande-annonce de la prochaine vidéo, mais c'est ça. Donc là, Black Lives Matter, les violences policières, le discours de Macron, la démission ou pas de Macron. Il y a quelques éléments comme ça pour faire une prochaine vidéo. Donc là, en attendant, je clôture celle-ci. Donc n'oubliez pas, sur le mode d'emploi, tout est minuté. On peut tous retaper, même les vidéos les plus longues, elles sont minutées. Elles sont minutées, donc on peut se taper des index, etc. Mais base principale, ne les voyez pas à travers Facebook, parce que les liens ne marchent pas, ou les minutages ne marchent pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon petit site web page perso, plus l'interface YouTube. Allez vraiment sur l'interface YouTube natif, pour aller voir les vidéos, d'accord? Voilà, ben je vous embrasse, et à très vite. Et donc ce petit clip de fin, c'est juste le relais des 30 000 morts, hein, donc, et de la gestion. Vu de l'extérieur, je pense que 30 000 morts dans le pays qu'on est, alors que l'Allemagne n'en a que 8 000, en Europe, deuxième pays de mortalité et cinquième mondial, j'ai envie de vous dire qu'il y a un mème qui existe, qui tourne là, et je vais le laisser parce que ça synthétise tout à fait tout ça. Donc je vous remercie, et je vous dis la santé, et à très vite.